Là, je reviens vous faire une chanson qui s'appelle Rulbeb. C'est une chanson qui appartient à quelqu'un qui s'appelle Abdelkader Shahrullah Kloubkhair, un chanteur algérien. Alors, ceci évidemment est une chanson qui appartient au répertoire chabi algérien. Chez nous, ce serait un peu comparable à ce qu'on appelle le tarab ragnati. Donc, à travers cette chanson, je voudrais dire merci à tous les Algériens. Et je m'excuse d'avance parce que j'ai charcuté un peu cette chanson. Je la charcuté dans deux sens. Le premier, c'est que je n'ai pas les paroles, donc j'ai un peu chantonné n'importe quoi. Et le deuxième, c'est que je vais le mettre à la guitare, un instrument qui ne va pas forcément avec le répertoire chabi algérien. Donc, ceci risque de vous plaire, comme il risque de vous déplaire. Voilà. Mais en tout cas, moi ce que j'essaie de faire à travers ça, c'est remercier les Algériens qui me regardent. Alors, le thème de la chanson. N'importe quoi. Alors je vais le rejouer. Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, le premier vers de la chanson, rappelez-vous, je n'ai pas les paroles. Un ré mineur encore qui va vers un la, un mi, c'est un sol 13, pardon, et puis un do. Cette fois, je fais un si bémol. Si bémol. Un fa, septième, cinquième bémol. Un la, septième, dominante. C'est un fa, septième majeur. Do, Mi mineur, Ré mineur.
début. Je crois qu'il y a une autre partie dans la chanson. Grosso modo, ceci est la chanson, franchement, il n'y a pas grand-chose. Mais ce qui fait la beauté de cette chanson, c'est bien sûr la voix de Seab Khadrcha, où c'est incontestable. Mais si vous voulez, s'il y a quelqu'un qui veut jouer du piano et veut accompagner cette chanson, je vous conseille de suivre ces accords parce qu'ils sont mélodiques, ils mettent en valeur la mélodie aussi de la chanson. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez partitionner ça, faites-moi signe. Salam alaikum, wa alaikum. Bonne journée.